Eh bien bonjour tout le monde, c'est StarKiller1889, on se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Borderlands 2, et oui, hein, c'est le premier épisode que je vais lancer aujourd'hui, donc aujourd'hui on est samedi après-midi, bon, il est 16h, il est 16h15 plus ou moins, et on va lancer Borderlands. Alors il faut savoir que la série Borderlands, il y a eu 3 épisodes, il y a eu Borderlands 1, Borderlands 2, et puis Borderlands 2 préquel. Donc il y a d'abord le préquel sur... au-dessus, hein, donc il est là, hop, si je fais ça, je peux lancer le jeu. Mais le premier épisode, le premier, voilà, le premier jeu à faire, c'est Borderlands 2 avant préquel, parce que si vous faites préquel avant, et puis Borderlands 2 ensuite, vous allez rien comprendre à l'histoire, parce qu'il y a vraiment un suivi. Malheureusement, je n'ai pas l'épisode 1, parce qu'il n'est pas sorti sur PlayStation 4, il était à l'époque sur PlayStation 3, et je n'ai pas de HDPVR ou autre pour streamer sur PlayStation 3. En plus, je n'ai plus de PlayStation 3, parce que je l'ai vendu. Donc voilà, on va partir pendant 50 minutes sur Borderlands 2. On va faire le premier épisode. Il faut savoir que c'est un RPG, hein, c'est pas un MMORPG. C'est un RPG où on peut jouer tout seul ou à plusieurs, mais en coopération. Alors on peut s'affronter, hein, parce que bon, il faut savoir que voilà, il y a des affrontements entre personnages, mais c'est pas du multijoueur comme limite, allez, comme du Call of, du Halo, etc. C'est vraiment un RPG, un petit peu monde, comment dire, où on peut explorer, etc. Comment, allez, il faudrait que je trouve un exemple de jeu qui ressemble à Borderlands. Qu'est-ce que je pourrais... Bah, je pense qu'on peut un petit peu citer Fallout 4, à part qu'il n'y a pas tout ce qui est ressources, etc. à récupérer. Votre but dans Borderlands, ça sera de récupérer des armes, des boucliers et des grenades, etc. Légendaires, enfin, avec des niveaux, etc. Je vous expliquerai en fonction du jeu. Donc, on va lancer le jeu. Je sais pas s'il y aura une mise à jour, une cinématique tout de suite. Donc, je le lance, on va voir ce que ça va donner. Ah, c'est les présentations, donc c'est un jeu développé par 2K Software, comme vous pouvez le constater. Et Iron Galaxy qui l'a remasterisé sur PlayStation 4, parce que c'est deux jeux PlayStation 3 à la base. Voilà, il y a toutes les marques, tous les développeurs. C'est un jeu qui est sorti en 2015, et c'est une excellente affaire. Il faut savoir que vous pouvez avoir les deux jeux à un très 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 bon prix. Je pense que moi à l'époque j'avais payé 49€ pour les deux jeux en un boîtier, hein, donc en un seul CD. Alors qu'un jeu à l'heure actuelle ça coûte quoi, 55€, c'est déjà 10€ en moins, un petit peu, voilà, un petit peu moins quand même, on va dire 6, entre 6 et 7€ si je veux être précis. Si je me souviens bien, c'était vraiment 49€. Et il doit avoir diminué, donc pour ceux que ça intéresserait, c'est un RPG, hein. Et il y a moyen vraiment de faire... des trucs intéressants dans le jeu là. Il faut savoir que c'est un univers humoristique. Donc voilà, je vous montre la cinématique d'entrée. Et j'allais un petit peu comprendre c'est quel style de jeu. Thank you.
n'importe quoi, zéro dans le rôle d'un chiffre. Donc voilà, vous avez vu un petit aperçu de la bande de la cinématique. Par contre, j'espère que j'aurai pas de droit d'auteur. Parce que je pense que c'est une musique d'une personne qui, qui a sûrement chanté cette musique-là. Du coup, je pense pas, parce que vu qu'elle vient du jeu. Parce que je sais bien que j'ai eu des problèmes avec Ratchet à cause d'une cinématique. Donc on verra bien, hein. J'essaierai de la publier sur YouTube. Si ça ne marche pas, donc c'est des petits let's play que je vais commencer. Je vous ferai le reste sur Twitch, vous inquiétez pas, vous aurez quand même l'histoire, etc. Donc voilà, création de la session. Faut savoir quoi, je disais, il va falloir choisir un personnage parmi 4 personnages à la base. Mais en fait, vu que j'ai l'édition, j'ai tout, on va dire que j'ai l'édition collector, j'ai tout dedans. Les DLC, je suis allé jusqu'au niveau 72, regardez, hein, j'ai un personnage actuellement au niveau 61. Je m'étais arrivé au niveau 61, on va faire une nouvelle partie ensemble. Comment dire, je pense que on a le choix entre plusieurs. Ouais, donc à la base, on a le choix. Donc, dans le jeu de base, on a le choix entre 4 personnages. Et vu que j'ai l'édition spéciale, vous avez le droit entre 6 ou 7 personnages. Si je me souviens bien, je ne sais plus, 5 ou 6. Ouais, c'est 6. Donc, on va faire une nouvelle partie. On va choisir le personnage ensemble. Donc, on va faire une nouvelle partie. Alors, vous voulez notre histoire? Une histoire où c'est le destin de Pandore qui se joue? J'espère que oui, parce que je vais la raconter dans tous les cas. D'abord, il y a eu l'Arche, une prison alien ouverte avec une clé mystique. Pour les guerriers qui sont parvenus à y entrer, l'Arche n'a été que tentacules et déceptions. Ils se sont volatilisés dans les terres désertiques, persuadés que l'Arche ne renfermait aucun trésor. Mais ils avaient tort. L'ouverture de l'Arche a déclenché l'apparition d'Iridium. Ça, c'est le résumé du premier épisode. D'une valeur inestimable. Le précieux minerai s'est vite retrouvé aux quatre coins de Pandore, attirant de nombreux intéressés, dont la société Hyperion. Hyperion s'est implanté sur Pandore pour exploiter l'Iridium et faire la loi sur cette planète sauvage. Sous la surface, elle a découvert la trace d'une Arche bien plus importante. Son chef s'est mis en tête de la débusquer, afin de civiliser les Borderlands une fois pour toutes. Cependant, Hyperion n'était pas la seule à convoiter la puissance alien de cette nouvelle Arche. Difficile de résister à l'appel du danger et du butin. Des foules de guerriers se sont donc lancés à l'assaut des secrets de Pandore. Des aventuriers pour certains. Des inconscients pour d'autres. Moi, je les appelle des chasseurs de l'Arche. Notre histoire débute avec eux et avec un homme. Le beau Jack. Voilà, on va revoir la cinématique du début. Je pensais qu'on n'allait pas la revoir, mais on est obligé en fait, c'est la suite. J'avais complètement oublié, donc je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas les cinématiques. Quoique je peux peut-être la passer en fait. On va la passer, hein. Donc voilà, on est au menu. Je préfère la passer, comme ça c'est plus... vu qu'on l'a déjà vu une fois, ça sert à rien de la revoir une deuxième fois. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut choisir entre 6 personnages. Donc les premiers personnages qu'on peut choisir dès la sortie de Borderlands 2, qui était sorti sur PlayStation 3, je ne sais plus en quelle année, je pense qu'il est sorti en 2000... Enfin, ça fait longtemps. On peut choisir Axton, hein, donc c'est un commando. Compétence d'action, il utilise une tourelle sabre. Style de combat, rester à couvert et ne jamais laisser la moindre chance à l'ennemi. Ensuite, il y a Zéro l'assassin. Leurre, donc sa composante d'action, il utilise un leurre invisible, je crois. Un leurre tout court, mais je sais plus s'il est invisible ou pas. Style de combat, donc tir à longue distance, au fusil de précision, tranchage de gorge. Alors, il y a la sirène qui s'appelle Maya. Compétence d'action, verrouillage de phase, hein, vous l'avez vu un petit peu dans les cinématiques. Et style de combat, elle gère les aléas du champ de bataille. Ensuite, il y a Salvatore, le défourailleur, ça c'est un très très bon personnage. Ainsi que la sirène, c'est les deux meilleurs personnages du jeu Borderlands 2, je crois, hein.
Axton, en fait, c'est un personnage exprès pour XP, donc rien que pour XP, limite. Il est vraiment utile aussi, hein, il fait mal, mais c'est rien que pour XP. Zéro, donc l'assassin, j'ai pas trop bien compris à quoi il servait. C'est vraiment un bon... je pense que c'est pour les coups critiques, etc., lui. Parce que regardez, tir de précision, etc. Mais les meilleurs personnages, vraiment, sans vous mentir, c'est la sirène et le défourailleur. Parce qu'il faut savoir que je me connais quand même... je m'y connais assez dans le jeu. J'ai vraiment joué pas mal de temps à Borderlands à l'époque. Je pense que j'y jouais pendant un an complet avec des potes. Mais vraiment, quand j'étais... quand j'avais 14-15 ans, j'ai joué vraiment beaucoup à ça. Donc, parce que ça remonte vraiment à loin, ce jeu-là. C'est quand même un jeu qui... ça fait très, très longtemps qu'il est sorti. Donc voilà, hein, défourailleur, donc il défouraille, compétence d'action, il défouraille. Donc amateur de gros flingues chargés. Il y a un peu beaucoup d'humour dans le jeu aussi. C'est un jeu où c'est un peu, c'est un monde de fous en fait. Hein. Vous avez vu, c'est un petit peu un petit délire. Alors dans les nouveaux personnages, ça c'est les DLC qui sont sortis après sur PlayStation 3. Il y a la Gage, what, la Gage nécromancienne. Donc ouais, j'ai jamais utilisé le personnage là. Elle invoque piège mort, donc c'est un robot, je crois, pour une compétence d'action. Style de combat, c'est une petite fille plus un boulet de démolition égale la recette du bonheur. Et le dernier en date, c'est Kriurge, sadique. Donc compétence d'action, carnage à la Buzz Axe. Donc je pense qu'il balance des bâtons de dynamite. C'est vraiment du délire, c'est du n'importe quoi. Style de combat, bastonneur de combat agressif. Moi, personnellement, je vais faire un personnage important dans le jeu, donc un des plus forts. Je pense que je vais prendre la sirène, parce que la sirène, c'est un personnage très important. J'hésite, en fait. J'hésite soit à faire une sirène ou un défourailleur. Mais je pense qu'on va faire la sirène. Et en plus, on s'est renommé le nom. Donc, sélectionner la classe. Maya. Donc, regardez, j'ai déjà débloqué les tenues, etc. avec elle. On va faire la tenue de base, hein. J'ai un petit peu vous montrer... Oula, je sais même plus c'est laquelle. Quoique, Fléau des Valkyries, j'ai trop envie de la mettre, elle est trop stylée comme ça. On va mettre ça. Alors, on va renommer la... Ah non, c'est la tenue d'abord qu'on fait. Donc on s'est changé la tenue de couleur, etc. C'est stylé. Oh, celle-là, elle pète. On va la mettre. Le nom, donc vous pouvez inventer un nom au jeu. Hein. Donc désolé pour les petits écrans noirs, il y a un pote à moi qui s'est connecté sur PS. Donc du coup, j'ai pas su voir. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était le nom. Quoique non, on va laisser Maya. C'est son vrai nom dans le jeu, hein, faut savoir. Donc on va confirmer. Et c'est parti, je vous laisse apprécier la... C'est pas vraiment une cinématique, mais presque. Et vous allez découvrir un personnage emblématique de la saga Borderlands. Génial ! Encore un chasseur de l'arche mort. Jack n'arrête pas en ce moment. Hé ! Une minute ! T'es pas mort ? Yes ! Je vais enfin pouvoir me barrer de ce glacier ! Ça y est, Claptrap, ton vaisseau métaphorique est enfin arrivé ! Je me présente, je suis un robot multifonction, CL4PTP. Mais mes amis m'appellent Claptrap. Enfin, m'appellent. Salut Pablo. S'il en restait encore un en vie, ou si j'en avais. Oh, donc voilà le fameux Claptrap. Hein, je pense que tout le monde le connaît, ce personnage-là. C'est vraiment un robot. Ce système écho que je n'ai pas. Il a des vannes de merde, mais c'est. Personnellement, dans Borderlands, on reconnaît beaucoup déjà Borderlands juste à lui. Rien qu'on cite Claptrap, c'est. Ouais, gros, Borderlands, la classe. C'est ceinture, ce robot-là. Moi, ça me fait trop rire. C'est n'importe quoi. Donc, il est apparu dans le premier Borderlands. À chaque fois, c'est lui qui, au début, vous aide à vous familiariser avec le jeu. Donc, relique Iridienne. Vous avez trouvé une relique Iridienne. Les reliques donnent des bonus mineurs à votre personnage. Dans un domaine particulier, il existe de très nombreux types de reliques. Essayez d'en trouver une qui corresponde à votre style de jeu. Vous pouvez dès à présent utiliser 69 clés en or pour utiliser une clé en or. Rendez-vous au coffre mystérieux à Sanctuary. Plus votre niveau est élevé, plus le butin sera intéressant. Putain, j'ai plus de vie. Donc voilà, c'est un petit peu un système. Vous avez des niveaux, des santé, etc. Des armes, grenades. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc voilà, il y a une interface qui est apparue à l'écran. C'est une femme qui vous parle. Depuis le premier épisode, elle fait... Enfin, il y a une femme qui vous parle. Je sais plus comment elle s'appelle. Je pense que c'est la sirène. Je sais plus.
Je sais plus comment. Ça fait un petit temps que j'ai pu jouer. Alors le jeu, franchement, sur pour une remasterisation PlayStation 4, j'arrive pas à le dire. Il est plutôt pas mal fait, hein. Regardez. Bien joué. Ta capacité à t'orienter sans décéder signera la perte du Bojack. Alors il faut savoir que Borderlands c'est un univers post-apocalyptique, un peu le style à Fallout 4. À part que Fallout 4 bien sûr est beaucoup mieux que ça, que beaucoup mieux que Borderlands. Mais Borderlands regorge beaucoup de quêtes, de missions principales. Donc il y a une trame principale, des missions secondaires, etc. Ouais, vous pouvez courir. Il y a vraiment les similarités à la Fallout, mais pas que ça. Hein. Il y a des trucs qui sont bien pour Borderlands, enfin des trucs propres à Fallout et des trucs propres à Borderlands. Ici c'est vraiment le début, regardez, j'ai pas d'armes. J'ai déjà un inventaire à grenades mais j'ai pas de grenades. Je suis niveau 1 actuellement, donc la barre d'expérience, vous l'avez vu, elle est juste en bas. Et comment dire, la barre de santé, j'ai 10 points de vie. À gauche, en bas à gauche. Alors vous pouvez gagner des dollars, des thunes, hein, pour pouvoir vous acheter des armes. Mais en gros, au début, ça va vous servir, mais vers la fin, ça ne sert plus à rien. Donc, clap-trap place, j'arrivais pas à le dire. Donc, vous allez comprendre, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi comme style. Il a peur. Ah. Putain, c'est un putain de jeu ce jeu. On est d'accord, Pablo. Donc repère d'objectif, l'icône en forme de losange sur votre mini-carte indique un point de repère. Elle indique la direction générale à suivre pour parvenir jusqu'à votre prochain objectif. Donc faut savoir que actuellement en fait on est sur une planète qui s'appelle Pandore. Dédicace à un petit peu à Avatar. Putain, salut Omega, ça fait longtemps frérot. Ouais, effectivement. Du coup, voilà, on est sur Pandore. Et c'est le début. Alors, faut savoir que c'est un style de jeu RPG. On peut se balader vraiment partout. Il y a pas mal de maps, de zones, etc. Et également, donc, on a découvert le symbole. Donc, il y a des symboles à récupérer sur toutes les maps. Et des défis à remporter, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer sur ce jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il a perdu son œil, c'est vrai. Faut vraiment tout explorer, c'est un jeu vraiment stylé. Regardez, on fouille des toilettes. Ah, j'ai récupéré de la santé. Donc le principe, c'est en fait de tuer des ennemis, des boss, etc. Il y a énormément de boss sur ce jeu. C'est gagner de l'expérience, gagner des niveaux. Alors je pense que le niveau max que je peux atteindre sur PS4, c'est 72. À la base, c'est niveau 50. Sur PlayStation 3, c'était niveau 50 et Xbox 360. Voilà, j'ai fini ma première quête principale. Vous voyez, il fait marquer mission principale, récompense. Donc prenez un flingue. Vous avez fait deux pas et ouvert une armoire. Plus tard, en tuant des monstres hauts comme des gratte-ciel avec une arme qui tire des éclairs. Vous repenserez à ce moment avec émotion, au rapport armoire. Donc 10$ récompense, j'ai une arme et 71 d'XP. Voilà. Longtemps, quatre chasseurs de l'arche réussirent à changer le visage de Pandore. Voilà, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est le jeu. À cause du Bojack, Pandore a aujourd'hui besoin d'un nouveau héros. Tu es ce héros. Si on met de côté la douleur terrible que je ressens, tout va super bien. Depuis le temps que j'attends. Alors moi je suis vraiment tout dans le jeu, c'est. Parce qu'on peut même avoir des armes dans des caisses et tout. Et toi, tu seras mon courageux sbire. Mon courageux sbire. N'importe quoi. Récupérez l'œil de Claptrap. Hop. Donc on va normalement tuer nos premiers ennemis ici, hein. C'est vraiment le début, regardez, je suis niveau 1, j'ai pris 2 barres d'XP. On va stuff en munitions. Alors pour viser c'est L2, R2, donc ça c'est les mêmes mécanismes que dans les jeux FPS. Hein. Je pense que c'est un RPG FPS en fait ce jeu là, si je me souviens bien. Alors le jeu est très 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 long, hein. Moi ça fait très longtemps que j'ai pu jouer. Et franchement, la première fois que vous jouez à ce jeu-là, vous le finissez en deux. Franchement, si vous jouez beaucoup, en
2-3 jours. Allez, en une semaine, il est fini. À moins qu'ils sont, vous soyez vraiment expert. Donc ici, on a eu un point de contrôle. Je suis rentré de vacances et mon frère m'a offert le nouveau Ratchet & Clank. À chaque fois que je suis sur ton live, le live a des bugs de co. Moi aussi, ça coupe. Bizarre, ça... Moi ça va, j'ai mon live sur mon téléphone, il n'y a aucun lag. C'est peut-être parce que vous avez une co... Pas une très bonne co les frérots, hein, je sais pas. Parce que moi, la co que j'ai à la maison, ça va. J'ai pas une co de malade hein, non plus, j'ai pas une co de gamer, mais j'ai une bonne co. Ça va. Parce que moi en fait, il y a très longtemps sur PlayStation 3, quand je jouais encore à l'époque à Call of, j'avais toujours des bugs, j'avais toujours... Vous voyez la barre de réseau à côté de... Quand vous voyez votre perso dans... On regardait le menu, combien de kills t'as fait, etc. Ah ben j'avais toujours une barre rouge. Et ça a duré pendant au moins une année complète. Et depuis le temps, on a changé le réseau et maintenant, tout va bien, tout va bien. En fait, si vous voulez, mon réseau, il n'était pas sécurisé avant, tu vois. Vous voyez. On l'a sécurisé par après. Et du coup, j'ai plus eu de problème parce qu'avant, il n'était pas sécurisé. Donc, tout le monde allait dessus, même mes voisins, etc. Donc, le réseau, ben, il savait pas assumer. Il avait des... C'était abusé les réseaux, je me téléportais à chaque fois quand je jouais à un jeu, etc. Streamer à l'époque, j'aurais jamais su. Ah putain, voilà les jeunes Garogo. Les premiers... Donc cette mission possède un repère de zone. Les repères de zone vous indiquent l'emplacement général d'un objectif, mais vous devez fouiller les alentours pour le trouver. Ok. Voilà, tu fais quoi ? Alors franchement, Borderlands, c'est vraiment un chouette jeu. Hein. C'est... Surtout à plusieurs... En solo, il y a moyen de faire du bon truc, mais en plusieurs, c'est encore mieux. Vous voyez, vous avez des défis du jour. Il y a tellement de défis dans ce jeu. Pour tous les terminer, il faut vraiment jouer comme un malade. Hein. Moi, perso, j'ai jamais tout terminé au max. C'est un jeu énorme, gigantesque. C'est un jeu où vous passez vraiment beaucoup de temps. Vous voyez, j'ai deux armes, je comprends pas. Comment c'est que j'ai deux armes, déjà? Ah oui, j'ai compris. J'ai les deux armes du collector en fait. Vu que c'est une remasterisation PlayStation 4, j'ai les armes du tout début du jeu qu'on nous offre gratuitement. Ah, il est beau le jeu quand même, hein. Regardez, il y a la lune de Pandore, mais je sais plus comment elle s'appelle. Et l'histoire consiste en résumé de tuer un grand méchant qui est apparu. Dans ce Borderlands 2, hein, on en parle jamais, on en a jamais parlé dans Borderlands. On peut pas l'aider là? Défendre au claptrap. Ok. Donc là, c'est des jeunes, hein, il y aura beaucoup de différentes bestioles à tuer par la suite. Voilà, nickel. En tout cas, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes sur le stream. Substitut de relation amicale. Salut, petite tête. Voilà. Donc ça, c'est le grand méchant du jeu, le Bojack. On le sait dès le début, hein. Casse-pistache, il vous dit concrètement, putain, je vais te tuer. Le chasseur de l'arche meurt. Je l'ai dit. Voilà. Pas de souci. Toi, tu es toujours là. Donc si tu pouvais me rendre service et te foutre en l'air, je t'en serais très reconnaissant. Merci, mon lapin. Voilà, c'est le grand méchant du jeu. Oh, j'ai déjà reçu une apparence, courseur. Star, on fait un monster ce soir. Ouais, si tu veux, mes gars. Putain, ouais, je suis en manque de monster. Ça fait trop longtemps que je voulais t'en parler. En plus, j'aimerais bien jouer à monster, ça fait longtemps. Non, j'ai une coup à fond à la 4 barres. Star, ouais. Fallout 4 est plus stable sur tes lives, bizarre. Ouais, c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi, Pablo. Oui, tu serais dispo pour The Division ce week-end. The Division, ouais, il y a moyen, Pablo. Mais le problème, c'est que si tu veux, moi, je fais un autre perso en live. Mais ce que je peux faire, c'est t'accompagner sur ton stream à toi, Pablo. Parce que j'ai un perso niveau 30 qui a pas mal de DPS. Donc si tu veux, je te le dirai. Je pense qu'il fait actuellement près de 130 000 de DPS. J'ai une arme à 9 000 de dégâts, je crois. J'y vais, moi, je dois ranger tous mes affaires de vac. Ok, Omega, il n'y a pas de souci. Merci de passer sur le stream, frérot. Hein. Je te préviens en Messenger. Ouais, ça va. Ok, nickel. Mais quoi que ce soir ça sera peut-être tard, hein, Omega, parce que je compte faire mon stream, continuer mon stream de Ratchet & Clank.
Parce que moi aussi je l'ai Ratchet et Clank. Ça va faire mal. Ah, c'est le premier boss, les gars. Wow. On va se calmer, mon ami. Oh putain, j'ai déjà eu un truc mouf. Oh, à l'aise, hein, les gars, franchement. Et quoique, c'est pas juste si facile que ça. On meurt très vite dans le jeu, là. C'est un truc de fou. Oh, oh. Pas dans la merde. En plus ils sautent ces enculés. Vaincre les sbires. Oh putain. Et voilà. Hop, j'ai passé le level directement en plus. Vous venez de gagner un niveau. Chaque niveau supérieur augmente votre santé maximale et les dégâts que vous infligez. En outre, lorsque vous montez de niveau, votre santé et votre bouclier sont remis au maximum de leur valeur. Si tu pouvais récupérer mon œil. Oh, et désolé pour les intermuraux. C'est une expression que j'utilise beaucoup quand j'ai peur. Ah, j'ai une nouvelle arme, un flingue, je crois. T'as mon œil? Super. Maintenant, il faut trouver quelqu'un pour me le réinstaller. Tu dois mourir d'envie d'enfoncer ton poing dans mes circuits, mais on va laisser ça à un professionnel. Mon ami Hammerlock, à l'Ayersberg, s'y connaît en optique. Let's go! Je pense que j'ai eu un truc mauf là-bas, non? Je me souviens. Changer d'arme avec triangle. Donc il vous apprend les bases, hein. Initialisation en cours, module d'interface de l'armement. What? Ok, peut-être parce que j'ai une deuxième arme, mais je l'ai déjà depuis le début. En tout cas, bonjour à tout le monde. Ce serait un chouette raccourci, non? Putain, t'as vraiment une sale gueule sur ton œil, toi. Trouvez Sir Hammerlock. Sir Hammerlock. Il va pas vouloir, je crois. Alerte intrusion. Débrouillage de la porte. Bah t'as raison, Omega, stream-le parce qu'il est vraiment magnifique le jeu. Je suis choqué. Moi je suis encore en mode choqué. Par contre, si t'es corps sur le stream, je suis dégoûté d'un truc, c'est que je peux pas le rediffuser sur YouTube. Tu peux pas publier ta vidéo sur YouTube. Parce qu'en fait le jeu. Vu qu'il était basé sur le film et que le film est basé sur le jeu, je me suis pris un putain de droit d'auteur, gros. J'étais dégoûté, je suis putain, c'est des blagues. Tout ça pour un. À cause qu'ils ont fait un film, tu vois. Sinon, parce que tu vois, moi, Ratchet & Clank, je vais pas vous cacher, les gars. Bon, il y a peut-être pas tout le monde. Peut-être que tout le monde n'aime pas, hein, ça c'est normal. Mais moi, je suis fan depuis que je suis tout jeune. J'ai joué à l'âge de 6 ans à ce jeu-là. Hein. C'est mes premiers pas, on va dire, sur la PlayStation. Et je voulais vraiment laisser une trace de l'histoire principale sur YouTube, tu vois, sur ma chaîne. Parce que sur Twitch, à un moment, ça va s'estomper. Même si t'archives tes vidéos, à un moment, elles vont partir, les vidéos, tu vois. Donc notre premier coffre. Oh, on a eu un pompe. Un Letter Long Reader. T'es gars, 11x7. Appuyez rapidement sur la gâchette pour tirer plus de balles, ok. Oh, pas mal, ça. Hop, on va finir la quête. Cœur de primate est mort, vous avez récupéré l'œil de Claptrap, il faudrait maintenant trouver quelqu'un pour le remettre en place. Nickel. Chapitre 2. Alors on va changer de carte, hein. C'est un système comme ça, en fait on change de carte comme ceci. Mais en gros, tout le monde de Borderlands 2, il est vraiment immense. Il y a beaucoup de zones, etc. C'est un truc de fou. C'est pas le moment de flancher, Spire. Arrive. Le mec. Ah, il s'en bat, le Claptrap, là, il est chaud. Ce voyou m'a gardé comme instrument de torture pendant plusieurs un point de contrôle. Ça, c'est les points de contrôle. Esquive le chalumeau ou ne tombe pas dans le bac d'acide. Bon, quand tu veux pour y aller, frérot. Très bon, le premier. Habitants de Pandore, votre attention, s'il vous plaît. Ici, le Bojack. J'offre $1 million à celui ou celle qui me livrera la tête. $1 million, oh putain, j'avoue, ils vont tous me courir après, quoi. Pas mal. Roland, tiens toujours. Ce tueur en série à la tête des pillards écarlates. Bonne chasse, ami bandit. Donc, faut savoir que le jeu, il utilise des graphismes en mode cartoon, hein, vous je l'aurez compris. Hein. C'est bizarre de voir des jeux ainsi. C'est pas un jeu avec des graphismes comme à l'heure actuelle où c'est super réaliste, etc., quoi. Wow, les gars, go, on se calme, blanc bec, ça s'appelle. Wow. Ouais, gros.
C'est vraiment trop bien ce jeu, moi je kiffe. C'est un bon univers en fait. Oula. Oh, j'ai un bon flingue. Encore un autre flingue. Trafic d'armes. Donc voilà, il y a beaucoup de défis à faire aussi. Hein. Genre par exemple tuer autant d'ennemis au fusil d'assaut, aux pompes, ramasser 10 armes blanches. Alors faut savoir que ça a le même mécanisme que de division. Il y a des armes blanches à ramasser. Ensuite c'est des armes vertes, un peu plus rares, bleues, mauves et oranges. Et les oranges c'est les légendaires. Et puis il y a les fameuses et armes légendaires, les fameuses légendes, hein, les armes nacrées qui sont apparues dans les DLC en fait. À part dans Borderlands 1 qu'ils étaient déjà implantés dans le jeu, les armes nacrées c'était les armes les plus fortes du jeu à la base. Mais dans Borderlands 2, c'est plus comme ça, les armes légendaires sont autant fortes que les armes nacrées en fait, voilà un petit peu. Oula, il est où le type? Ok. Bon, c'est ce genre de pillard hein, un petit peu à l'autre. Maraudeur. Par contre, la mitraillette, ça a une putain de... Ah voilà, mais j'ai déjà débloqué une arme verte. Wow, on se calme. Et bim! Bordel! Ah bah voilà. J'ai pas dit mon dernier mot! Hey, Hammerlock! Comme mon sbire vient de te sauver la mise. Vous voyez, il y a un personnage qui s'appelle Flint en fait. Et vous l'aurez déjà compris, hein, c'est un boss qu'on va devoir tuer par après. C'est un méchant, c'est le chef des bandits en fait de cette zone-ci, de toute la zone. Rencontrer Sir Hammerlock. Chasseur de l'arche, laissez Claptrap passer en premier. Je savais qu'Hammerlock finirait par accepter. Lui et moi, on est comme les deux doigts de la main. Les deux balles d'un chargeur. Deux gnous. Elles partent au bout de combien de temps les archiver? Ben Pablo, je sais pas. Excuse-moi de pas t'avoir répondu tout de suite, frérot. Je sais pas, mais je sais qu'elles partent en fait, tu vois. Parce que moi j'ai un pote, il a pu streamer pendant un moment alors qu'il avait archivé ses vidéos. Ben c'est Flex, tu l'as déjà vu sur le stream. Et je voulais aller voir ses rediffusions sur Twitch. Et ben il y avait plus de vidéos. Et du coup je me dis putain, c'est quoi ce délire? Tu sais plus regarder les rediffs de tes potes et tout, c'est nul, tu vois. À votre service. Donc c'est pour ça, je suis un petit peu. C'est dommage qu'il laisse pas les vidéos sur Twitch. Peut-être que c'est le site qui veut ça, je sais pas, sûrement. Re-Omega. Mais je disais, voilà, Ratchet & Clank, faut savoir que si tu veux le stream, tu pourras rien que le stream sur Twitch. Tu pourras pas publier ta vidéo sur YouTube. Parce que, si tu veux, le jeu est basé sur le film, et le film est basé sur le jeu, parce qu'ils en ont fait un film d'animation Pixar, hein, tu vois. Et c'est vraiment la même chose, le jeu, c'est quasi le même. Et du coup, il y a des cinématiques du jeu qui sont dans le film. Et du coup, quand tu publies ça sur YouTube, je me suis tapé un putain de droit d'auteur, j'étais dégoûté, je sais, putain, c'est une blague, tu peux même plus publier un jeu tranquille sur YouTube, quoi. C'est n'importe quoi, mais bon. Le tour est joué. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, quoi. Je suis vivant. Donc je suis obligé que le publier, enfin que de streamer sur Twitch avec. Maintenant que j'ai retrouvé la. Donc à un moment là, les vidéos elles vont disparaître, c'est chiant mais bon. Plus moche que dans ma mémoire. Enfin j'espère pas. Donc voilà, Sir Hammerlock, hein, regardez, il a un bras bryonique de la mort, frère, et il s'est fait couper le bras. Juste là, mec. Mec. Que la ville est plus sûre, je peux rétablir l'alimentation principale. Ce lieu propose bien des choses qui peuvent être utiles aux assassins de votre académie. Allez, vas-y, Sbire. Alimentation rétablie. Donc c'est vraiment le début du jeu là, c'est un peu une phase de tutoriel, introduction, etc. Après on sera parti. Il instant d'après, paf, il abat négligemment des hommes, des femmes et des enfants sans défense. Vous connaissez déjà le scénario. Allez, parle de Flint, hein, celui qu'on a vu juste avant. En vidéo, voilà, vous avez découvert deux destinations de voyage éclair. Donc le voyage éclair, il permet de voyager vers un emplacement déjà visité sur Pandore à l'aide d'une station de voyage éclair. Voilà. Donc voilà, ça c'est la station de voyage éclair. Allez, marche cochonnerie. Ah, zut, des crottes de pique. Le tableau des primes et HS.
Les résistants ont dû le déconnecter avant de partir pour Sanctuary. J'avais du travail à vous proposer. Bon, eh bien, passez me voir à la place. Donc voilà, hop, donc le station de voyage éclair. Donc voilà, j'ai déjà tout ça comme map, c'est normal. C'est parce que... Oula, ma montre est tombée. C'est parce que, comment dire, en fait, ça c'est les maps du DLC, de tous les DLC de Borderlands 2. Donc on va faire d'abord la trame principale ensemble. J'espère que je pourrai la publier sur YouTube parce qu'au début on a eu une petite musique. Je sais pas si j'aurai un droit d'auteur, j'espère pas. Vu que c'est implanté dans le jeu. Voilà. C'est parti, donc ménage à Liarberg. On va finir la quête. Hop. Et voilà, donc on a notre premier bouclier, les potes. C'est de niveau 3. Je sais pas si on est déjà niveau 3. J'ai eu 321 d'XP. Si vous disposez, vous disposez maintenant d'un bouclier, les dégâts qui vous sont infligés sont subis en priorité par ce bouclier. S'il faiblit ou se vide, il se rechargera après un bref délai. Pensez à chercher des boucliers plus puissants avec des compétences spéciales. Ça vous plaît, Liarberg ? Vous étiez une ville bouillonnante avant que ses habitants ne prennent la poudre d'escampette en direction de Sanctuary pour fuir l'armée de Jack. On va écouter ce qu'il dit. Du moins. Les hommes du capitaine Flint ont tué tous ceux qui sont restés. Ok. Donc voilà, ça c'est le pavé tactile. J'ai appuyé sur le pavé tactile. Donc ça c'est, comment dire, la carte. Hein. Vous voyez la carte. Hop. Je vais faire R1. Donc débloqué. Vous avez débloqué avec succès la Natural Selection Annexe. Vous trouverez son entrée dans Wildif Exploitation de Réserve. Félicitations, vous êtes devenu un membre du club exclusif. Les personnages que vous créez débutent avec des reliques de chasseurs de l'arche et un arsenal conçu par Gearbox. Merci d'avoir acheté une édition spéciale de Borderlands 2, voilà. Vous avez débloqué une apparence de personnage, une personnalisation de visage et la grenade feu d'artifice. Donc voilà, ça c'est le menu des armes. Donc on peut avoir jusqu'à 4 armes sur soi, c'est quand même beaucoup. Voilà, il faut savoir que je peux pas... Donc il y a des cadenas, il faut atteindre un certain niveau pour avoir les suivants. Je peux avoir que 2 armes. J'ai un bouclier, donc mon bouclier niveau 3. J'ai une grenade, donc la grenade contraband ski rocket. Donc c'est la grenade que j'ai eue en... Comment dire... Avec l'édition du jeu. Donc attention, ne pas l'utiliser en intérieur. Tu vois, ça, vous voyez, ça a des bonus spéciaux. Alors, il y a toutes les armes et toutes les grenades, et même les boucliers, ils ont des dégâts élémentaires. Hein. Vous voyez ici, par exemple, la grenade, elle a un dégât de feu. Donc, elle brûle les ennemis. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments, voilà. Il y a le feu, les dégâts explosifs. Donc, il y a un explosif juste à côté. Les dégâts corrosifs, électriques. Et slag, je crois, je pense que j'ai fait le tour. Je crois, attendez, j'ai rien oublié. Alors, mes préférés étant moi je préfère les dégâts corrosifs. Donc, tout ce qui est sur les robots, qu'on doit tuer les robots, etc., c'est bien. À ce que je vois, les armes là, c'est des armes blanches. Hein, donc, voilà, j'ai eu ma première arme verte, l'Ether Iron, c'est un pistolet. On va l'équiper. Il y a des snipes, il y a vraiment toute classe d'armes. Hein, vous pouvez le voir. Édition spéciale rasée, débloquer cette tête pour la. Ah, voilà. Donc ça par exemple c'est des objets qu'on peut récupérer et après vous devez les appuyer sur X pour pouvoir les déverrouiller. J'ai un journal audio personnel. On va l'écouter. Vous avez déverrouillé une nouvelle apparence pour votre personnage. Adaptez un nouveau look dès votre prochaine visite à une station modifiée éclair. Donc ça c'est Maya, c'est moi-même qui parle, enfin la femme. Ok, donc voilà, on a 119 de santé, j'ai un bouclier de 78 hein, pour commencer, c'est pas mal je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais m'équiper du Letter Iron à la place de la mitraille, parce que le fusil d'assaut il est mieux. Mais je pense que je vais concrètement changer le fusil d'assaut, parce qu'il est, il est moins bien. Je sais pas avec quoi je vais jouer. Vu que j'ai mis un flingue, je sais pas, je pense que j'ai envie de jouer au snipe, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne le snipe sur ce jeu directement d'entrée.
Je vais vous remontrer le menu. Donc en dessous, en bas, tout en bas, il y a les thunes. Et 0, le genre de E, comme ça, de E retourné en mauve. En mauve, ouais, en mauve. En fait, c'est l'iridium. C'est un minerai très rare qu'on va devoir acquérir tout au long de l'aventure. Vous verrez, hein, pour améliorer par exemple l'emplacement de l'inventaire, du sac à dos, l'emplacement des munitions de snipe, de revolver, de fusil à pompe, de mitraillette, de fusil d'assaut, etc. Ça, c'est les compétences de la sirène. Hein. Il y a trois arbres différents. Voilà, je me suis trompé. Trois arbres. Il y a l'arbre verrouillage de phase. Non, juste, non, pardon, c'est en dessous, ouais. Il y a l'arbre harmonie, pardon, j'avais pu parler. Cataclysme. Et l'autre, c'est déplacement. Je sais plus c'est quoi qu'il faut faire de spécial pour améliorer, comment dire, son arbre. Donc... voilà, et ensuite, voilà, niveau de bruitage est déjà 57 383, donc ça s'accumule avec tous les personnages qu'on a dans le jeu. Jetons de bruitage, j'en ai 377, il faut savoir que, voilà, regardez, il y a beaucoup de défis, hein, il y a énormément de défis, butin de... des ennemis avec des grenades Singularity, Transfusion, il y a différents types de grenades, différents types de boucliers et différents types d'armes, hein, vous l'aurez compris. Je vous expliquerai ça davantage dans les autres épisodes, on va continuer. Donc regardez, j'ai un flingue. Alors j'adore comme ça tire un petit peu à la Stallone, je trouve. Comme du Silver Sur Stallone dans Expendable. Il tire vraiment trop stylé, quoi. Attendez deux secondes, je reviens, ma mère m'appelle, j'arrive tout de suite. Je m'excuse de vous avoir fait attendre. Ça arrive de temps en temps, hein. C'est normal d'aider la famille. Ça arrivera de temps en temps comme ça, parce que bon, c'est normal aussi. J'ai pas non plus envoyé mes parents bouler, c'est logique. Donc voilà, le snipe, c'est un snipe. Voilà aussi ce que je voulais vous dire. Mais non, vous savez quoi, je vais pas vous le dire. On verra ça dans une prochaine vidéo, parce que sinon, si je vous dis tout dans le premier épisode, ça rime plus à rien. Ce que je vais faire, c'est... il reste combien de temps? On a 45 minutes. On va essayer de nettoyer la zone. Donc regardez, point d'exclamation sur Sir Hammerlock. Donc il a des autres quêtes à me proposer. Bonjour. Il y a de la place que pour une seule espèce bipède descendant du Singularberg. Vous pouvez maintenant exécuter plusieurs missions simultanément. Une mission peut être marquée comme active et votre rate affiche alors son repère de navigation. Vous pouvez changer de mission active dans la section mission de votre système écho. Appuyez sur le pavé tactile pour afficher votre système écho, puis sélectionnez la mission que vous voulez activer et appuyez sur X. Système écho, voilà, donc ça c'est le système de mission, je vous avais pas montré ce menu là. Donc ça, vous voyez, le meilleur sbire du monde, c'est la mission principale, difficulté de niveau 5, elle est grande donc je peux pas la faire tout de suite. On va faire la mission en dessous, donc ça c'est une mission secondaire. Cette ville est trop petite, chassez les gargots de Liasberg. Nettoyez le cimetière, nettoyez la mare. Ce Hammerlock vous a demandé de débarrasser des gargots que les habitants aient été tués par des bandits il y a plusieurs semaines. Hammerlock estime que cette ville n'a pas à être dévastée par des primates jetant leurs excréments. Après j'ai une autre quête inconnue.
Et j'ai déjà terminé les trois quêtes d'avant, les trois quêtes principales. Tuer tout le monde à l'Ayersberg, ce n'est pas... Je pense que vous aurez compris. Putain, on est déjà niveau 3, pas mal. Quel manque de respect pour les disparus. Malédon les trucider dans la ville, ce serait un... Donc voilà, la carte en haut à droite, en fait, vous voyez, il y a des genres de losanges comme ça. Ça montre où il faut aller. Donc il faut aller là et derrière. Je pense que vous aurez aussi compris ça. Et pour toutes les personnes qui débuteraient ou qui ne connaîtraient pas le jeu... Ah. Ça j'aime bien faire ça. Oh putain, je l'ai one shot. Oh, j'ai un autre bouclier. Donc c'est un système de loot hein, dans le jeu là. À chaque fois que vous tuez des ennemis, il se peut que vous lootiez une putain d'arme, mauve, je sais pas quelle couleur. Ah, ils sont quand même niveau 4, j'ai pas fait attention. Il eût été préférable que les habitants de l'Ayersberg survécussent pour célébrer la victoire, mais bon, bien joué. Bah, c'est un jeu que j'aime bien, franchement, je me suis tellement bien amusé sur ce jeu-là et je reviens de temps en temps parce que j'ai pas tout fini, hein. Il y a beaucoup de trophées que je reste à faire. J'ai jamais fait les DLC. Sur PlayStation 4 en tout cas, je les ai fait, j'ai même pas encore fait un seul DLC. Parce qu'il faut savoir que rien que le jeu principal, il est extrêmement long et extrêmement long. Et quand vous avez fini le jeu, vous pouvez refaire une nouvelle partie. En fait, vous avez trois parties différentes. Vous avez la partie normale, donc. Et puis, une fois que vous finissez le jeu, vous avez vous débloquez le mode chasseur ultime tout court. Donc vous recommencez le jeu, mais avec des mobs qui sont plus difficiles et qui peuvent vous looter des trucs plus intéressants. Et après il y a encore Chasseur Ultime 2 et c'est là que je me suis arrêté. Là c'est super dur, tout seul c'est limite impossible. Vous avez des putains de mobs. Salut Tanguy. Wow wow. J'espère. Si vous voulez bien retourner au tableau des primes. On va retourner tranquillement au tableau des primes. Je pense qu'on va s'arrêter là les potes, hein. J'aurais fait une mission tranquille. Chasser les gros, donc voilà. Ah, on gagne un fusil d'assaut, regardez. Grim Spinny Gun. C'est un sacré goujat. On va débloquer les deux missions. Enfin non, on va faire une mission à la fois, histoire des boucliers. Si vous comptez survivre intense... Mais voilà, comment je voulais dire, j'ai exploré tout dans ce Borderlands et encore tout. Je dirais même pas tout, je dirais la plupart des choses. Enfin, au moins 80-90% du jeu, parce qu'il y a des zones secrètes que j'ai jamais faites, que moi j'ai des copains, ils étaient vraiment à fond dedans, ils connaissaient même les armes légendaires, leur nom par cœur ils connaissaient. Telle arme tu la loot sur lui, telle arme tu la loot sur lui. Moi je connaissais pas à l'époque ça, et je connais plus ou moins parce que je sais que bah, j'ai joué pas mal de fois avec eux. Donc il y a des armes que je connais et que je pourrais peut-être vous faire des tutos dessus par la suite. J'ai exploré tout dans ce Borderlands et encore tout. Je dirais même pas tout, je dirais la plupart des choses. Enfin, au moins 80-90% du jeu, parce qu'il y a des zones secrètes que j'ai jamais faites, que moi j'ai des copains, ils étaient vraiment à fond dedans, ils connaissaient même les armes légendaires, leur nom par cœur ils connaissaient. Telle arme tu la loot sur lui. Moi je connaissais pas à l'époque ça et je connais plus ou moins parce que je sais que bah, j'ai joué pas mal de fois avec eux. Donc il y a des armes que je connais et que je pourrais peut-être vous faire des tutos dessus par la suite. Mais chaque son en son temps, on va se concentrer uniquement sur le scénario pour le moment. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était Starkiller 1889, on était sur Borderlands 2, le premier épisode. J'espère en tout cas que voilà, ça vous aura plu et j'espère que... Ça vous plaira la suite parce que le jeu est vraiment superbe. Plus on avance, plus c'est stylé, plus c'est épique. C'est un jeu quand même épique. Donc je le répète, c'est un RPG FPS hein, sorti par Gearbox et 2K. Gearbox Software, putain, j'arrive pas à le dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Starkiller 1889. On se retrouve ce soir, enfin
dans une heure ou deux pour la suite de Ratchet & Clank en live, hein, donc j'avais fait le live hier. Et pourquoi pas pour un petit peu de Fallout vraiment ce soir, hein, on verra ce que l'avenir me dira. Et selon mon temps, hein, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à follow la chaîne, à partager la chaîne aussi également, hein, pas toujours à la follow ou à vous abonner. Si vous connaissez des connaissances, voilà, si vous connaissez, putain, j'ai fait un putain de pleonasme de merde. Si vous connaissez des connaissances, voilà. Qu'ils aiment bien les divers jeux comme Fallout 4, Borderlands, etc. Les autres jeux que je fais comme The Division aussi. N'hésitez pas à faire partager. Voilà. En tout cas, merci à vous. On se retrouve ce soir pour la suite de Ratchet. Ciao, ciao. Peace. C'était Star.